Bienvenue dans Transim World, une simulation ferroviaire hautement réaliste comprenant des circuits et des trains authentiques venant du monde entier. Voici le centre d'entraînement. Ici, vous pouvez apprendre à vous déplacer et à interagir dans le monde, ainsi qu'à manœuvrer de nombreux trains. Commencez par regarder aux alentours. Trouvez chaque repère et regardez-les. Votre objectif actuel est indiqué en haut à gauche de l'écran. Avancez jusqu'au repère bleu pour terminer l'objectif en cours. Vous avez reçu quelques points d'action. Ces derniers sont affichés dans le coin supérieur droit de l'écran et comptent pour votre niveau d'expérience globale. Ceci est l'une des nombreuses tâches d'itinéraire pouvant être découvertes. De nombreuses autres tâches au style varié vous attendent, impliquant de placer, récupérer ou réparer une multitude de choses. Rendez-vous dans le bâtiment principal et vous pourrez continuer votre formation là-bas. Vous pouvez mettre en pause Transim World à tout instant pour vérifier vos objectifs et d'autres informations concernant la situation actuelle. Essayez et reprenez votre partie après avoir jeté un œil. Maintenant que nous avons couvert les bases du déplacement et des interactions avec l'environnement, avançons dans le bâtiment pour trouver les trains. Voici la place centrale. Depuis cet endroit, vous pouvez explorer le dépôt principal du centre d'entraînement et les triages aux alentours. Votre expérience avec les trains ne fait que commencer ici, dans le centre d'entraînement. Mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours revenir ici depuis le menu principal, au cas où vous auriez un doute sur quoi que ce soit. Continuez à apprendre dans d'autres modules d'entraînement ici au centre d'entraînement et vous serez d'attaque pour encore plus de défis dans d'autres environnements. Ce module couvrira l'affichage à l'écran, communément appelé HUD, apparaissant lorsque vous contrôlez un train. Gravissez l'échelle pour monter dans la locomotive et asseyez-vous. Bienvenue sur le siège le plus important du train. Lorsque vous êtes à cette place, vous avez le contrôle du train. Avant de penser à faire avancer le train, jetez un œil à l'affichage apparu en bas à droite. L'affichage vous indique les actions du train en cours. La partie principale de l'affichage indique la vitesse. Une barre blanche apparaîtra en bordure pour indiquer votre vitesse actuelle et le repère rouge indique la vitesse maximale autorisée. Voici l'affichage de la direction. Une flèche indiquera les directions avant, arrière et neutre. Voici l'indicateur de puissance. Un nombre vous indiquera la position dans laquelle se trouve le contrôle de puissance ou le manipulateur de traction. Voici les indicateurs de freinage.
Leur apparence varie selon le train et ils sont souvent visibles sur le train en lui-même via les différentes jauges. Ils indiquent ce qui se passe avec le système de freinage. Le plus important est la jauge de BC pour le cylindre de frein. Si cette jauge est à zéro, vos freins sont desserrés. Dans tout autre cas, cela signifie que vos freins sont en cours d'utilisation et que vous ne pourrez pas bouger. L'affichage varie légèrement selon le train et ses spécificités, mais il reste plus ou moins identique généralement. En apprenant à conduire de nouveaux trains, pensez à bien étudier l'affichage pour découvrir comment il peut vous aider à manœuvrer votre train. Si vous voulez revoir tout ça, vous pouvez relancer ce module d'entraînement quand vous le souhaitez. Dans ce module d'entraînement, vous allez découvrir comment mettre un train en mouvement et le stopper. Bien que de nombreux trains se manœuvrent différemment, trois éléments de contrôle sont communs à tous les trains et nécessaires pour les faire avancer. L'inverseur définit la direction en avant ou en arrière. Les freins servent à ralentir ou stopper le train. Le manipulateur de traction contrôle la vitesse de l'accélération du train. Nous voulons faire avancer le train. Déplacez donc l'inverseur vers l'avant. Les freins sur ce train nécessitent de maintenir le levier de frein en position desserrage. Vous pouvez surveiller l'état des freins en vous référant à la jauge de conduite générale. Gardez un œil sur la jauge de BC ou de cylindre de frein pour la voir progressivement descendre à zéro, ce qui signifie que les freins sont désormais complètement desserrés et que vous pouvez. Appliquez un peu de traction, juste un ou deux crans, pour faire avancer le train. Remarquez la barre d'AMP montée lorsque vous appliquez de la traction. Cela représente la puissance envoyée au moteur de traction. Maintenant que vous avez atteint votre vitesse cible, vous pouvez faire redescendre le manipulateur de traction à zéro. Le train avancera alors en roue libre et, au niveau du sol, le train ralentira très progressivement. Chaque train dispose de ses propres spécificités concernant son système de freinage. Le contrôle de base pour mettre un train à l'arrêt reste fondamentalement similaire. Arrêtez complètement le train en maintenant la commande des freins en position serrage jusqu'à voir l'aiguille de la jauge de conduite générale au centre du tableau de bord indiquer 4 barres. La force de freinage requise dépend de si vous êtes en montée ou en descente et de la lourdeur de votre train. Arrêter un train est une tâche complexe, qui plus est pour les arrêter au bon endroit. Ce module est maintenant terminé. Vous pouvez le relancer pour revoir ses étapes ou passer au module suivant.
Thank you.